Salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Bien moi ça va plutôt bien et aujourd'hui je vous présente cette vidéo, enfin ce début de vidéo en voix off. Donc rassurez-vous, toute la vidéo ne sera pas en voix off, c'est juste les quelques secondes, enfin les quelques premières secondes, car j'ai eu un problème de montage et du coup je dis bonjour à tous mais vous ne l'entendez pas. Donc il y aura deux problèmes dans cette vidéo. Le premier problème, eh bien c'est le bonjour à tous, enfin voilà le début de la vidéo quoi. Et le deuxième problème, ça va être un combat que je vais mener et que vous ne verrez pas. Malheureusement, vous verrez la fin du combat. Donc voilà. Alors pourquoi? Eh bien, j'ai eu des problèmes de montage et du coup, eh bien, je dois faire avec, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse sur la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Également, je voulais vous montrer un petit peu mon armure. Parce que oui, j'aimerais un petit peu me la péter pour changer. C'est rare que je me la pète, mais regardez. J'ai réussi à avoir l'armure de l'école du loup de grand maître et également d'avoir les crafts pour avoir les armures de l'armure de l'école du chat de grand maître, l'école du griffon grand maître et une nouvelle école En avant. que je vais pas vous dire. Et l'école de l'ours aussi de grand maître. Donc ça c'est à vous de voir et j'ai réussi à avoir tous les composants mais il me manque l'argent, il me manque bien sûr quelques ingrédients pour finir tout le reste quoi. Mais je compte réussir à avoir toutes les armures donc en tout cas toutes les armures de base comme le torse de sorceleur au top quoi. Donc déjà j'ai le loup, c'est un petit peu la base et je compte avoir le chat dans les prochains jours. Oula. On va rien dire, hein, c'est normal. Bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à dire. On va se balader. On va un petit peu explorer la map comme ça. Allez. Et on va pas. On va pas faire grand chose, hein, je le dis. J'aimerais vous parler un petit peu aussi des gens qui. Alors, c'est pas un coup de gueule, mais c'est des gens. Qui ont fait putain non mais regardez quoi, c'est tellement beau. Des gens qui ont fait des vidéos ou des lives sur le jeu, ben comme d'hab, alors qu'ils ne connaissent rien au jeu ou qui n'ont même pas joué à The Witcher 2. J'aimerais vous le dire les gars, j'aimerais vous dire le jeu vous le prenez pour quoi faire? Pour chier? Il y a beaucoup de gens qui prennent le jeu en fait pour chier, tu vois. J'ai vu un live, donc il faut que j'en parle hein. Un live, attendez. Voilà, un live d'un gars, donc c'était Globtopus. Le mec, il a commencé. Non, 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 tu bouges pas. Il a commencé une partie de Blood and Wine en n'ayant pas fini le DLC Bloodstone. Bon, tu me diras, ok. Bon, écoute, il fait ce qu'il veut. Mais encore pire, il a fait le DLC en n'ayant pas de sauvegarde du jeu normal. Donc tous les choix qu'on devait faire dans le jeu normal n'ont pas été mis dans Blood and Wine. Alors qu'on ne sait pas s'il y aura peut-être des retrouvailles ou des choses. Et voilà, non, le mec n'a pas fini le jeu principal, il va jouer à Blood and Wine. Voilà, je crois que là tout est dit, hein, tout est dit. Et je parle pas aussi des lives que j'ai pu voir, des meufs qui ne connaissaient rien au jeu, qui vont te faire une vidéo ou des lives. Excusez-moi, bon, voilà quoi. Il y a quand même des limites quoi. Il y a quand même 3 Witcher, tu pourrais au moins te renseigner. Et pas te renseigner sur Wikipédia, vraiment te renseigner en jouant au jeu. Je pense que Witcher 2 il coûte plus rien maintenant, tu pourrais le faire quoi. C'est pas un jeu qui va te prendre 30 heures de jeu en 9 heures. Bah c'est bouclé quoi. Voilà, tu joues bien à des jeux comme Destiny, comme The Division, tu peux bien jouer 9 heures à The Witcher 2 quoi. Mais enfin bon voilà, c'était un... bah finalement oui, c'était un coup de gueule. C'était pas prévu mais... Tiens. Là ou pas. Oula. Alors, je découvre totalement, je connais pas... Oh merde, le tueur doit être encore là. J'ai jamais joué. Les
côte s'enfoncer, du sang dans les oreilles. Il a reçu un sacré coup. Ok. La gorge a été arrachée par une morsure d'homme. Mais un homme avec de longs crocs. Massacré par un vampire. Mais pas un Ekim. Ni un Noctul. Sûrement une Brooks. Tué d'un seul coup. Putain, c'est chelou. T'as l'impression que c'est le dos, mais en fait, non. C'est pas le dos. C'est chelou, quoi. Sûrement dans la cave. De la vase. On a transporté le corps dans ce chariot. Des griffures. Faites par 5 griffes séparées. Avec l'écartement d'une main humaine. Donc je vais pas vous expliquer le scénario, même si vous comprenez, hein. On chasse une créature, mais on n'est pas là par hasard. Donc je vais vous laisser découvrir. Des empreintes. De petits pieds nus. Elles vont vers le fond de la cave. Je vais vous laisser découvrir cela par vous-même, même si là je vous spoil un petit peu la gueule. Si cette vidéo ne vous dérange pas, c'est que il n'y a aucun problème pour vous, quoi. Donc bon. Projeté contre le mur avec une grande force. Utiliser ça pour détruire la grille. Il a fallu une grande force pour casser ça. Ouais. Je tiens à vous dire que je joue en facile également. Donc les combats ne seront pas compliqués. Je joue en facile car je suis un noob. Voilà, je vous le dis, je suis pas un professionnel du jeu. Oh, mais intéressant! Vous. Je vous ai vu à l'auberge. Ah, d'accord, oui. Effectivement. Je sais ce que vous êtes. Mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang, à l'évidence. D'accord, elle démembre les victimes. Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. Ok, alors par contre, je gère, mais contre les Brooks, je galère un petit peu. Voilà, hein, je galère un petit peu contre elles. C'est vraiment chaud, quoi. Tout très bien. Allez, go, je me concentre. Putain de salope. Ah putain, ah ouais, je le savais en plus. C'est marrant parce que c'est comme le DLC, enfin c'est comme le thriller. C'est comme le thriller du jeu en fin de compte. Oh putain. Et je peux crever, hein, c'est chaud. Hein. Oui, allez, achève-la. C'est bon. Ouh. Ok. Putain, mais déjà qu'on fasse vite, c'est chaud. Mais que faisait-elle à la table? Déjà qu'on fasse vite, c'est chaud, mais vous imaginez si je joue en normal, quoi. Non, mais jamais j'aurais pu la tuer.
Jamais. Je suis tellement noob que voilà. J'aurais jamais pu la tuer quoi. Alors je fais une mini coupure pour vous dire que la séquence qui va suivre risque d'être. Enfin elle est gore quoi tout simplement. On voit des membres démembrés Bon voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde comme je vais le dire dans la vidéo, mais si vous n'avez pas l'âge de regarder cette vidéo, je vous préviens quand même, au cas où, comme ça on pourra pas dire que j'ai pas prévenu. Donc je préviens, c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, voilà. Bon, c'est maintenant que je vous le dis bien sûr, hein, maintenant, voilà, avec ce magnifique panorama. J'aurais pu vous le dire avant, c'est vrai, c'est pas un jeu pour tout le monde. Hein. Il a passé du temps dans l'eau, la tête est gonflée et en partie dévorée. Je vais peut-être vous le dire en début de vidéo. Il y a quelque chose dans la gorge. Une bouche se remplit de pièces. Des florins de Nilgardien, de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Une troisième main. Sûrement pas celle de la victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Elle est encore chaude. Le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer, mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant, ou de membres semblant vivants, après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard, ça m'apprendra peut-être quelque chose. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une Brooks. Dans ce cas, pourquoi la Brooks est-elle venue chercher la main coupée? Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la Duchesse. Voilà, donc ouais, des questions qui soulèvent des questions. On n'a pas de réponse. À mon avis, ce mystère est peut-être le plus grand mystère de la série The Witcher. Parce que c'est le DLC, mais c'est surtout la fin du jeu. Parce que moi, je prends ce DLC Blood and Wine comme étant la conclusion. Putain, mais c'est magnifique. Hein. Attendez. Regardez-moi ce... Bon, ou... Il faut que vous oubliez tous les cadavres, hein, bien sûr, mais sinon... Regardez-moi un petit peu ce beau petit panorama là. C'est pas magnifique? Non mais vraiment, c'est pas magnifique? Faut être aveugle hein, pour dire que c'est pas beau. Franchement, Uncharted 4 pour moi est moins beau. Vous voulez que je vous dise? Alors que ce jeu est un jeu open world, bah ce jeu est plus beau pour moi. Ah bah d'accord, bah c'est pas la peine de... Bon, je vais me TP ou pas? Non, on va pas se TP comme ça. Vous pourrez voir un petit peu les quelques environnements. Par contre, déjà on va remonter. Par contre, je vais faire une coupure. Comme ça, il n'y a pas de problème pour le montage. Je fais avec Share Factories. Bah oui, mais du coup, je pourrais pas vous dire au début de vidéo. Merde. Là, ouais, ou merde. Pas. À moins que je refasse un montage derrière. Je sais pas comment je vais faire. Écoutez, je fais une coupure. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Du nerf, Ablette. Bon alors, j'ai remarqué que vous ne voyez pas le début de la vidéo, donc c'est pour ça que les coupures, je dois vraiment les faire très tôt, parce que là vous l'avez vu, hein, malheureusement vous avez loupé pas mal de choses, enfin pas mal de choses, vous avez loupé le début de la vidéo, donc la vidéo commence un petit peu comme ça quoi, donc il faudra que je fasse un montage, c'est obligé. Du coup, double travail pour moi, génial, donc demain je vais devoir... Je vais devoir travailler ça, parce que là il est bientôt 2h du mat, j'ai pas envie de travailler maintenant le montage quoi. Écoutez.
Écoutez, Yamori, à mon avis, il y a foule là-bas. Il n'y aurait pas un tournoi, un truc comme ça. Écoutez. Ah, donc du coup, excusez-moi si vous avez loupé les premières minutes de la vidéo. Mais toi aussi, t'es mignonne, ma chère. On y va. Tu veux qu'on aille derrière? Doucement. Il se pèle de quoi? Attendez, c'est un bug ou quoi ce bruit là? Il se batte vraiment derrière. Oh. Attendez, bah du coup, attendez. Oui, c'est bien. Ouais, m'aider, mec. Non, je veux pas. Voilà. J'aimerais faire réparer mon épée. Hein, là qu'on y est. Maintenant qu'on y est, plutôt. Alors. Vous pourriez me fabriquer, non plutôt. Me réparer quelque chose. Mais du coup, je peux vous montrer ce que j'ai dit. Par rapport aux armures de l'école du chat, de l'école du griffon et enfin, tout le reste. Ah ouais, mais je peux vous spoiler l'armure de la dernière école. Ah, ça me saoule ça. Au pire, dans le montage, je ferai une coupure pour ne pas que vous la voyez, cette armure. Ah, bah je peux pas vous la montrer. Putain, c'est chiant. Bon, déjà, vous voyez que je peux avoir l'épée en argent de l'école du chat. Mais en fait, je peux tout avoir, hein, pas que l'épée en argent de l'école du chat. Je peux tout avoir, quoi. De n'importe quelle école de sorceleur. Putain! Bon, tant pis, c'est pas grave. On va réparer mon épée, du coup. Fait chier. Ça, ça coûte bien cher! Sérieux, quoi! Enculé! Ça coûte combien, ça? 200! Non, mais attends, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, gars. What the fuck, putain? Ah, ça va. Combien? Bon, ça va. Ça va. Combien? Ça va. Combien? Ouais, bah oui, quand même. Un tout petit peu cher, quand même, hein, pour des bottes. Bref. Au revoir. Alors, comme ça, j'ai mon armure qui est réparée. Après, tout ce qui est annexe que j'ai dû faire. Allez, go. Toutes les filles me trouvent mignon, hein. C'est marrant. Ça me rappelle, comment ça s'appelle? Ça me rappelle Infamous Second Zone. Donc oui, il y a un tournoi. Je dois parler à la Duchesse, c'est urgent. Allez, petit vampire, l'histoire est terminée. Allez retrouver vos parents. Mais Sir Palmerin, et l'histoire de Riddick? Et du dragon? Je vous la raconterai une autre fois. Mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Il s'agit de Geralt de Rive, le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath. Maître sorceleur, est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vilenie? Pas toujours. Ça dépend. Parfois la vertu l'emporte. Mais parfois, la vilenie prend le dessus. Mais il vaut mieux être bon. À quoi bon, si on ne gagne pas toujours? Rappelez-vous l'histoire de Palmerin. Un homme bien attire des gens semblables et se fait des amis sur qui il peut compter. Un bandit, lui, ne peut compter que sur d'autres bandits. Et qui préférez-vous avoir pour ami? Un homme vertueux? Je suis d'accord. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivée à la lice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Je vous suis. J'adore l'armure du chevalier, ça me rappelle Senseiya. Ça me rappelle Senseiya... Les gladiateurs Nilfgaardiens? Pas tout à fait. Bref. Comme vous allez vite le constater. Quelqu'un va affronter un Shelmar avec juste quelques cloches sur la queue pour le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La bête n'est rien de moins qu'un cadeau de l'empereur.
Vous ne devriez pas tourmenter la bête. Vous aimeriez qu'on vous jette dans l'arène, les yeux bandés avec des cloches accrochées au derrière. Allez vous plaindre des monstres, sorceleur. Vous ? Moi, je tue les monstres qui menacent les humains. Vous, vous allez en humilier un pour divertir la foule. Aucun chevalier n'en sortira grandi. La bête, qui va l'affronter ? Guillaume. Vous l'avez rencontré ? Oui, il disait avoir promis un trophée de monstre à l'élu de son cœur. Un grand amour exige de grands sacrifices. C'est un peu con quand même. C'est un peu con de raconter des belles histoires aux enfants et puis après de faire ça, quoi. Enfin bon. Hein ? Allons-y. À mon avis, c'est moi qui vais devoir me le coltiner, ce truc. Oh, une cinématique, carrément. Carrément ! Oh, c'est rare ! Putain, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Une cinématique dans ce jeu ? Mais c'est hyper rare. Je me tais, du coup, je me tais. Je dédie ma victoire imminente à la belle dame Vivienne. Ça a commencé. Attendons la fin du combat. J'avais dit quoi, hein? J'avais dit quoi? Bande de con. Oh non, pas lui, en plus il est chiant, je vous jure. Oh putain, j'avais déjà affronté, il est chiant, mec! Oh putain, non mais je déteste ce truc. Non mais putain, mais je vais crever, hein? Non mais je déteste. Je vais mourir. Mais là, je vais crever, je peux vous jurer. Hein. Je vais crever au moins une fois. Bon, déjà, je vais faire une coupure, comme ça on est paré pour la prochaine partie. Allez, je fais une coupure. Toujours faire preuve de pitié. Tel est son droit. Longue vie à Gérald le Clément. Pitié, occupez-vous de la bête. À frôler la mort. Je vais bien. Je n'ai rien. Vivienne. Souriez comme un héros et taisez-vous. Vous avez visiblement du mal à parler. Elle approche. Gérald, nous devons parler. Vivienne, vous parlerez plus tard, dans la tente médicale. Gérald, magnifique, époustouflant. Votre Majesté. Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu. Je suis vraiment honoré. Occupez-vous de notre jeune héros.
Gérald et moi devons partir. Nous avons à parler. Après tout ce temps, nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Votre Majesté, les Shelmars sont des créatures dangereuses, même pour des chevaliers en armure. C'est absurde. Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémoriaux. Certes, Guillaume a subi quelques égratignures, mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre. Vous avez pensé au public? Si le Shelmar avait sauté dans les tribunes, cela aurait été un massacre. Gérald, nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène. Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé, et comme vous le comprendrez bientôt, vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche. Bien. De toute façon, on va s'arrêter dès que j'ai parlé à cette reine. Votre Majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Nous aurons besoin de Damien. Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il être? Venez, nous devons le trouver. Ça me rappelle Game of Thrones, bizarrement. Et Spartacus également. Allez, dès que je peux jouer, je m'arrête, les gens. Ça vous fera une bonne petite vidéo pour vous faire un petit avis, hein? Dites-nous, êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté? Oui, enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écarteler. Pauvre Jasquier, il a mérité quoi? Enfin, pourquoi? Pourquoi vous voulez le tuer? Voici l'homme à qui nous confierons cette tâche. Damien de la Tour, le capitaine de ma garde personnelle. Votre Majesté, sorceleur. Bonjour. Oh, navré de vous l'apprendre, mais une brouque a tué des gardes. Navré de devoir vous l'apprendre, mais les gardes chargés de la dernière victime... Je suis au courant. La créature dans la cave de Corvo Bianco. Était-ce la bête? Non. C'était une Brooks, une sorte de vampire. Mais elle était quand même liée à la bête. Et comment le savez-vous? J'ai analysé attentivement les indices sur la berge et à Corvo Bianco. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons bâclé l'enquête jusque-là? Gérald n'insinue rien de la sorte. Écoutons-le attentivement. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois l'analyser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec Sire de la Tour? Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. On m'a parlé de vous. Vous attirez toujours des ennuis. Et nous en avons bien assez comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paye de Gérald. Les légendes disent-elles vrai? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi? Pas toujours, Votre Majesté. Il est rare que nous invoquions le droit de surprise. En général, nous prenons simplement de l'or. Quelle déception. Cette loi semble si romantique. Mais il est vrai qu'en rentrant au palais, nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe, de piètre récompense. Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco, et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. Le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse.
L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. C'est très généreux, Votre Majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché? Vraiment? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, Votre Majesté. J'accepte évidemment le contrat. Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de sensé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon du Lac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vide-goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment. Je ne suis pas un amateur. Ramon du Lac a été tué à coups de griffe. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon du Lac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a 10 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation? Ce n'est pas à exclure. Du Lac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ses méfaits. Je méfie de lui, moi. Comment cela a-t-il commencé ? Qui était la première victime ? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort ? Où a-t-on retrouvé le corps ? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé une heure plus tard, à quatre pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Les deux premières victimes étaient donc des chevaliers dans leurs vieux jours. Tout comme la troisième victime. Sire de la Croix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis, et que l'esprit d'entreprise était la sixième vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sire Gripsou. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. La Croix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable! Peut-être est-ce la raison. D'après vos dires, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelles vertus au juste ? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. Ces 5 vertus qu'ont-elles de si important pour vos chevaliers ? Voilà une question étrange. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je ne suis qu'un étranger qui tente de comprendre les coutumes d'un autre pays. Vous êtes tout excusé. D'après la légende, les vertus que nous cultivons nous ont été accordées par la Dame du Lac. Mais nul ne se souvient comment nous les avons vraiment adoptées. À Toussaint, nous croyons que les hommes de basse extraction doivent être sincères et obéissants. Cependant, nous attendons bien plus des chevaliers. Ils doivent être soldats et courtisans, seigneurs et serviteurs. D'où le besoin d'un cadre moral.
Quand il est adoubé, un chevalier jure de faire preuve tout au long de sa vie d'honneur, de sagesse, de générosité, de bravoure et de compassion. On dirait Kaamelott. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge, ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la Lys, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelle va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume ? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple ? Milton de Perrac-Perrant serait-il la prochaine victime ? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit près de la rivière. Damien ? C'était pourtant sous nos yeux. Perrac-Perrant, Crespi, la croix et du lac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Ah ben voilà, putain. Ils formaient un groupe ? C'était des amis proches, très soudés. Ils ont ainsi gagné la confiance de notre père, le duc. Il leur confiait souvent des affaires délicates. Plus tard, leurs chemins se sont séparés. Ça ne peut pas être une coïncidence. La bête doit le savoir aussi. C'est une piste, j'en suis sûr. Votre Majesté, il faut trouver Milton, tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu. Sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux. Qu'on prépare nos chevaux. Je pourrais pas jouer plus, hein. Je voudrais bien, hein, ma chère reine, majesté. Hein. Je ne pourrais point. Putain. Votre majesté. Bon. Hop. Merde, j'ai fait une capture d'écran. Bon les gens, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Excusez-moi de quitter comme ça aussi brusquement. En tout cas, elle a un beau cul. Allez, ciao, portez-vous bien.